C'est toutes les règles juridiques qui vont servir à protéger l'environnement. Et donc aujourd'hui, ça concerne tous les enjeux que tout le monde connaît, comme le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité. En Master 1, on va avoir à chaque semestre une matière de droit de l'environnement avec TD. Au semestre 1, on aura le droit français de l'environnement et au semestre 2, le droit international et européen de l'environnement. À côté, on va avoir certaines matières qui ont un lien important avec ce qu'on va faire en environnement, particulièrement le droit de l'urbanisme. Et à côté, on va avoir d'autres matières de droit public qui seront forcément utiles dans un environnement professionnel, par exemple responsabilité administrative, commande publique ou droit public de l'économie. Bien alors, tout d'abord, on va approfondir le droit de l'environnement, on va voir les pollutions, on va voir la biodiversité. Et à côté de ça, on va avoir des ateliers encore de spécialisation avec du droit pénal, du droit civil, de la responsabilité, vraiment tourné sur l'environnement. Alors les interventions des professionnels, elles ont lieu de deux formes. Il y a d'abord les cours permanents, comme par exemple le contentieux de l'environnement. Et on a aussi des interventions plus temporaires, où notamment on aura des avocats qui évoqueront des questions d'actualité. Dernier semestre de master va permettre de faire le choix entre la voie recherche et la voie professionnelle. La voie recherche va consister à la rédaction d'un mémoire de recherche qui débouchera éventuellement sur une thèse, ou la rédaction donc d'un rapport de stage dans le cadre d'un stage qui durera entre 6 semaines et 6 mois. En parallèle du MD, on peut faire des diplômes universitaires comme le contentieux administratif, ou encore on peut suivre l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires, pour passer le CRFPA ou encore l'ENM. Alors au sein du master, on a une association qui est un peu la vitrine du master et qui permet, je dirais, de faire le lien entre les professeurs, les professionnels et les étudiants. On a par exemple beaucoup de propositions de stage et voilà. Ça permet aussi de partir et de faire une vie en dehors de l'université, comme par exemple des voyages scolaires. Il est possible de réaliser un semestre de master à l'étranger. Il est aussi possible, dans le cadre du Master 2, de participer à certaines écoles d'été qui sont proposées notamment dans des universités européennes. Et pour les futurs étudiants du Master qui seront chanceux, ils auront la chance de pouvoir réaliser une partie de leur Master 2 à l'Université de Rome dans le cadre d'un échange. Quant à moi, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser le second semestre du Master 1 à l'Université Laval grâce aux différents partenariats conclus entre l'Université Toulouse Capitole et des facultés québécoises ou d'un peu partout dans le monde. Alors concernant la sélection, les résultats restent importants à la fin de la licence, mais le plus important, c'est de démontrer ses motivations au sein de la lettre de motivation et du CV. Et bien sûr, les engagements associatifs et autres jouent pour la sélection. J'ai fait une licence droit international en ayant fait Erasmus en L3 et j'ai pas eu de problème pour suivre le Master 1 droit de l'environnement. Pour ma part, j'ai fait une licence 3 de droit privé et ça ne m'a pas empêché d'intégrer le Master de droit de l'environnement. Donc non, il ne faut pas avoir fait de droit public pour intégrer ce Master qui reste un Master transversal avec des matières plutôt orientées de droit privé comme le droit pénal ou un petit peu de droit civil et des matières de droit public telles que le droit administratif ou bien le droit de l'urbanisme. Les débouchés du Master de droit de l'environnement sont très larges. Ça va pouvoir mener à différents concours comme le concours d'avocat, mais également des concours administratifs dans les collectivités territoriales ou au niveau étatique. Ça va aussi permettre d'aller vers des formations de juristes d'entreprise à condition d'avoir une affinité avec le droit des affaires. Et on y pense souvent, ça va aussi permettre de devenir juriste en association ou auprès de cabinets d'études d'impact.